Les œufs de l'ompe constituent un mets choyé pour sa finesse, ses arômes frais et plaisants et son apparence délicate. Le poisson, qui est connu pour sa chair douce caractéristique, est consommé dans de nombreux pays. On trouve la lompe depuis le Canada à l'ouest jusqu'à la mer de Barents à l'est. Au Groenland, on la capture entre mars et juin, quand elle vient pondre dans les eaux peu profondes le long de la côte. La pêche est effectuée par les pêcheurs locaux et essentiellement menée à partir de petits canots de moins de 8 mètres de long. Chaque pêcheur détient et exploite 10 à 20 filets maillants sur le lieu de pêche tout au long de la saison. Le filet maillant est un long mur de filet dressé verticalement sur le fond marin entre deux bouées. Une extrémité est parfois attachée au rivage. Le poisson est alors capturé soit par les branchies, soit par enchevêtrement. Étroitement accrochés, les filets maillants ont l'avantage d'être très sélectifs et retiennent peu de petites tailles. Les pêcheurs se rendent à leur filet quotidiennement si la météo le permet. Le filet est remonté à bord du bateau et le poisson libéré délicatement du filet est conservé dans une caisse. Quand le filet est vide, il retourne dans l'eau et la pêche recommence. Les pêcheurs séparent soigneusement la poche contenant les œufs des femelles et la conservent dans des barils fermés. Quand tous les filets sont utilisés, les pêcheurs débarquent la pêche directement à l'usine. En pleine saison, 12 usines sont dédiées au traitement des œufs. Dès leur arrivée à l'usine, la qualité du poisson et des œufs est contrôlée, puis, une fois approuvés, ils sont enregistrés dans le système SAP de la compagnie pour la traçabilité. Les poissons sont ensuite congelés en bloc, ce qui est idéal pour un transport à destination des marchés export. La poche contenant les œufs est ensuite nettoyée, débarrassée de l'excès d'eau, puis brassée afin de séparer la membrane des autres corps étrangers. Elle est ensuite rincée dans une solution d'eau salée qui permet de tapisser les œufs au fond des barils et d'écumer toutes les impuretés qui flottent à la surface. Après le nettoyage, l'eau en excès est minutieusement purgée. Ce nettoyage délicat et la purge de l'eau sont essentiels pour garantir la fraîcheur et maintenir la qualité la plus élevée possible tout au long du cycle de vie du produit. Les œufs sont ensuite pesés et aromatisés avec une forte solution d'eau salée pour le stockage. Avant de les fermer, les barils sont soigneusement contrôlés, étiquetés, remplis de saumure, et une grille est placée sur le dessus pour maintenir les œufs sous la surface de la saumure et éviter tout contact avec l'air. Des échantillons de chaque lot sont soigneusement analysés pour vérifier l'absence de bactéries et corriger le niveau de sel avant leur départ du Groenland. Les œufs sont transportés vers le site de transformation et d'emballage de Royal Greenland à Cuxhaven en Allemagne. Là, les œufs subissent un nouveau contrôle qualité avant leur transfert dans la zone de transformation à haut risque. Les œufs sont d'abord lavés à l'eau claire pour réduire le niveau de sel. Ils sont ensuite teints selon la couleur spécifiée par le client. Royal Greenland offre un vaste choix de recettes incluant des couleurs naturelles ainsi que d'autres solutions de teinture sans colorant azoïque. Avant la mise en pot, le niveau de sel, le pH et l'humidité sont testés en laboratoire pour garantir la qualité du produit. Les œufs sont conditionnés dans des pots en verre ou des plateaux en plastique hermétique. Les pots sont pesés, passés au détecteur de métal, l'absence de tout corps étranger est vérifiée et le vide d'air sous chaque couvercle est contrôlé. Si un pot ne respecte pas toutes les exigences, il est automatiquement rejeté de la ligne. Les pots sont ensuite pasteurisés en les chauffant jusqu'à 72 degrés Celsius, pendant 35 à 100 minutes, en fonction de leur taille. Enfin, ils sont refroidis pour éviter toute croissance bactérienne pendant la durée de vie du produit. Enfin, les produits finis sont emballés sur des palettes prêtes à être expédiées vers les consommateurs du monde entier, qui les utiliseront dans un grand nombre de plats. Ces œufs composeront une élégante garniture ou seront un ingrédient très apprécié pour son arôme authentique.